Effectivement, le CAUE accompagne les collectivités afin qu'elles puissent réduire leur consommation d'énergie, être exemplaires sur ces thématiques. Ce ne sont pas les plus grandes consommatrices d'énergie sur le territoire. Par contre, elles ont ce devoir justement d'être des modèles et d'accompagner justement ce changement auprès des particuliers, des scolaires. Et c'est en étant exemplaires sur leur patrimoine bâti, sur leur éclairage public, sur leur flotte de véhicules, qu'elles peuvent montrer justement la voie pour que nous puissions passer à de meilleures actions. Et donc le CAUE, en particulier l'une de mes missions, c'est d'accompagner les collectivités à réduire leur consommation d'énergie sur le patrimoine bâti, en ayant des travaux de performance énergétique, mais aussi en connaissant ce patrimoine, savoir quels sont les sites qui consomment le plus. Alors justement, les collectivités peuvent aussi travailler sur leur isolation de leurs bâtiments. On sait que ce sont des bâtiments très consommateurs d'énergie. On voit les hôtels de ville, les annexes, etc. Ce sont des bâtiments climatisés qui ont besoin justement d'être... avoir un travail en recul justement sur cette consommation, avoir aussi un travail sur les protections solaires, faire en sorte que le bâtiment soit plus performant, puisque l'énergie c'est quelque chose qui partout autour de nous, on le voit dans le bâti, sur les équipements, mais également aussi sur notre usage. On peut avoir un bâtiment exemplaire, ultra performant, avec tout ce qu'il faut au niveau de la qualité thermique du bâti, c'est-à-dire son enveloppe, les toitures, les murs, avoir des équipements qui consomment très peu d'énergie, mais si l'usage n'est pas cohérent, n'est pas en lien aussi avec ce bâtiment, il y aura justement une déperdition. On ne peut pas s'amuser à avoir une climatisation ultra performante et laisser les portes ouvertes. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des professionnels, des personnels des collectivités, mais également aussi d'autres cibles. Ça peut être aussi un travail auprès des scolaires. Nous avons aussi des animations auprès du public scolaire pour les sensibiliser aux économies d'énergie dès le plus jeune âge. Aussi un travail auprès des professionnels qui puissent comprendre ces thématiques. Nous sommes sur un territoire fort enjeu sismique et de risque majeur, mais il ne faut pas décorréler ça de la consommation d'énergie. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous sommes dans un milieu insulaire, donc nous sommes entourés d'eau. Nous avons un climat tropical qui nous donne des vents dominants venant d'est. Donc nous avons effectivement une bonne alizée qui normalement apporte un confort thermique dans le logement. Malheureusement, certaines constructions qui ont émergé, notamment après l'ouragan Hugo, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été construites en béton. Donc le particulier, la solution qu'il a trouvée pour apporter ce confort thermique, c'est de climatiser son logement. Donc le premier poste de consommation dans un logement, c'est la climatisation, qui mal dimensionné, mal entretenu, avec une température de consigne très basse, peut effectivement devenir un gouffre pour la facture d'électricité. Deuxième poste de consommation, c'est l'eau chaude, qui peut être électrique, représente une consommation très importante sur la facture d'électricité. Après, d'autres appareils malheureusement arrivent, parce qu'il faut savoir maintenant, avec la modernisation, nous avons un appareil pour chaque besoin. Certains usages arrivent maintenant dans nos logements et qui malheureusement plombent la facture d'électricité, tels que le lave-vaisselle, le sèche-linge. Nous avons l'apparition des spas, des piscines aussi, qui commencent à effectivement jouer aussi sur la facture d'électricité.